Bonsoir à toutes et à tous, une nuit très douce ici et des conditions de jeu optimales, ça donne presque envie d'aller mettre des crampons. Benjamin Da Silva au micro pour vous faire vivre ce match en compagnie de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Omar Da Fonseca. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette affiche de Division Rivals et on sent l'ambiance monter peu à peu dans le stade, une très belle fête se prépare. Vous entendez les chants de supporters, l'odeur de la pelouse, la boule qui serre les ventres avant un match. Voilà, c'est ça le football. Et on va regarder la composition de cette formation. Ilan Meslier dans le but, Wesley Fofana avec Ronald Koeman en défense centrale. Pedri sera associé à Franck Lampard au milieu. Et enfin Pierre Müller pour occuper l'attaque aux côtés de Puskás. Voilà la composition officielle de cette équipe. Dans le but, c'est Mike Maignan. Alexandro avec Cafu dans les couloirs. Claudio Marchisio sera associé à Frank Lampard au milieu. Avec pour finir Pelé pour occuper l'attaque avec Tammy Abraham. Ladies and gentlemen, intéressons-nous à George Best parce que c'est le joueur dont tout le monde parle depuis quelques temps. Sa capacité à finir, à conserver toute sa lucidité, sa précision dans la surface adverse, c'est admirable. Parfois, on dirait que c'est le ballon qui le cherche et qui le trouve pour aller se reposer au fond des filets. Oui, bien joué, c'est un bon mouvement. Très bon geste défensif, c'était risqué. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Allez, bien joué, là il se bat bien pour reprendre finalement ce ballon. Intervention de l'arbitre et on revient donc à la faute. L'occasion de prendre l'avantage et la parade de Meslier. Pierre Müller. Et le ballon change de propriétaire. Tammy Abraham avec le ballon en excellente position. Et le but, voilà le premier but du match, c'est bon pour le spectacle. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Oh, il la frappe, et voilà la réponse, l'égalisation, quel match fou! Le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Attention, Pierre Müller! Oh, le ballon écarté de la zone dangereuse. Ah, il s'est récupéré très haut, ça. Ça joue avec Pedri. Attention, Pedri! Oh là là, le nouveau but! Quelle équipe, quel réalisme! De quoi les rapprocher encore plus de la victoire! Le score est maintenant de 2-0. Ferenc Puskás. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Tammy Abraham avec le ballon. Ça joue avec Herculeur. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ah, elle est contrée cette frappe. Et l'arbitre indique le corner. Il y a clairement la place pour marquer un autre but. Trop précis. Et ballon récupéré très haut. Best. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Pelé. Et ballon perdu par Pedri. Dribble manqué et le ballon finit hors des limites de la pelouse. Ferenc Puskás. Puskás sans problème dans les bras du gardien. Barnes. Abraham. Et voilà un ballon bien intercepté. Ferenc Puskás.
Ballon pour Best. Attention, grosse occasion. Ouais, super défense. Ah, le corner bien tiré. Ah, et donc l'action s'arrête là. Ballon pour Gerküller. Un ballon rendu à l'adversaire. Ça joue avec Gerküller. Et non, finalement, ça ne mène à rien. Lampard avec Puskas. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Ouais, bonne intervention. Le ballon récupéré dans le camp adverse. Très bonne intervention dans la surface. Ça joue avec Pedri. Allez, pour Puskas. Attention à ce ballon donné dans la profondeur. Ah, c'est une excellente intervention pour les déposséder du ballon. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Le ballon vers Lozano. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Pelé. Ah, ça joue sur Abraham. Ah, ça se joue à rien, mais c'est bien hors-jeu. Une minute d'arrêt de jeu. Lampard. Et ça a l'air bien dosé, ça. Ballon pour Gerküller. Allez, la frappe, c'est bien tenté. Et Maignan qui va aller chercher ce ballon. Le ballon est joué court. Pedri avec la balle. Et le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Et finalement, aucune inquiétude pour la défense. Et voilà, on ira pas plus loin, c'est la mi-temps. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Müller. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. Pelé. Ouais, bonne intervention. Et ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. Oh ouais, c'est bien fait, il est passé. Ah, c'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Et ça joue sur Abraham. Elle a tête la première dans les pieds, c'est courageux comme intervention. Oh, la passe, elle est complètement manquée. Et le ballon qui est au fond, mais le drapeau est levé. Et oui, pour une position d'hors-jeu, plus qu'évidente d'ailleurs. Pour l'instant de John Barnes. Son match est un peu en décalage par rapport à son équipe qui a du mal, qui est mêlée au score. Peut-être qu'il aurait besoin de plus de fluidité dans le jeu, de tranquilliser le ballon. Et la défense est battue. Et but ! Goal, goal, goal ! Son deuxième du match, le doublé, inarrêtable, implacable. Quel sens du but ! Et donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. Ça joue avec Gerküller. Allez, pourquoi pas un tir. Gerküller.
Bonsoir à toutes et à tous. Si vous aimez le foot, évidemment, vous êtes bien tombés parce que ce qui nous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre. Au commentaire de ce match, Benjamin Da Silva et donc mon acolyte immense, le grandiose Omar Da Fonseca. On a divisé de Rivals qui nous propose aujourd'hui un match intéressant. Les Juniors face aux Raiders. Le football ne s'arrête jamais et nous non plus. J'ai hâte de voir ce que nous réserve cette rencontre. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc. Mahrez. Riyad Mahrez le tire. Et c'est parfaitement capté par le gardien. Et on va découvrir le 11 de départ. Dans le but, c'est Mike Maignan. Alexandro avec Cafu dans les couloirs. Je vous coupe, c'est bien joué ça. Et le tir, le but est vide. Mais oui, le but. La cage était vide. Trop facile. Et donc, le but. 1-0 donc au tableau d'affichage. Avec Moussa Diaby maintenant. La passe vers Diaby. Bien anticipé. Le ballon est intercepté. Et voilà, ça sort en touche. Alphonso Davies. Avec Riyad Mahrez. Le centre de Mahrez. Et c'est capté. Là, sans trop de problèmes. Bien joué dans la profondeur. Occasion avec cette frappe. Et voilà le but. La cage était vide. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas. Et avec ce but, ça fait donc 1-0. Maintenant, attaque parfaitement exécutée pour récupérer la possession. Ah, il n'y a aucune pression et pourtant le dribble n'est pas réussi. Ah, l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Aucun souci sur ce ballon. C'est pour le gardien. Marquisio. Et ça ne sera pas un match comme les autres. Pour lui, son total de matchs disputés va atteindre la barre symbolique des 200 rencontres aujourd'hui. Oui, et de quoi avoir un peu le trac avant le match, même si je ne suis pas sûr que ce soit le genre de la maison. Ça joue vers Timo Werner. Attention à ce ballon, c'est par-dessus la défense. Ouh, c'est contré, in extremis. Allez, c'est récupéré très haut ça. Énorme occasion pour revenir peut-être dans ce match. Mais non, excellente situation. Et c'est raté. D'autant qu'avec deux buts de retard, il faut profiter de chaque occasion. Et la possession leur échappe. Mahrez. Rafael Leao. Ah, le bloc avance bien. Il y a maintenant des options disponibles. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Tammy Abraham avec le ballon. Interception du ballon donc. La possession change de camp. Et ça peut être dangereux. Ah, c'est magnifiquement défendu ça. Et voilà le but. Dans une cage désertée. Ça devait arriver. Et c'est bien joué d'en profiter.
Quelle première période impressionnante de leur part. C'est un festival de buts qu'on n'attendait pas aussi vite. C'est un vrai récital offensif. Voilà, belle technique là. Eh oui, bien joué là, le but. Et voilà le but.
Bonjour à toutes et à tous, les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes évidemment sont bien garnies, bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Pour vous accompagner, votre duo de commentateurs franco-argentins. Et on va suivre ensemble une rencontre des Division Rivals. Bonjour à tous, les conditions de jeu idéales sur la pelouse et même en dehors pour assister à un magnifique spectacle dans quelques secondes. C'est le coup d'envoi, nous voilà Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Et la Division Rivals qui nous propose aujourd'hui un match intéressant et on le devine déjà dans l'atmosphère générale, c'est un match magnifique qui s'annonce. Quel plaisir de venir assister à cette symphonie. Les deux équipes ont accordé leur violon, leur tambour. Quelle fête commence! Tammy Abraham avec le ballon. Ah, super anticipation, la passe est parfaitement coupée. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Dans le but, c'est Mike Maignan, Alexandre avec Cafu dans les couloirs, Claudio Marquisios. Et oui, ça c'est l'action! Et c'est au fond, le but de Tammy Abraham. Et voilà la magie, voilà l'émotion, voilà la folie du football. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Pelé. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Abraham bien placé. À la détente d'Ederson pour repousser ce ballon. Excellent contrôle sous la pression. Ouais, c'est un bon timing pour stopper cette attaque. Et le pressing porte ses fruits avec cette récupération haute. Et oui, le bon réflexe. Une parade exceptionnelle qui va le consacrer dans le top 10 des arrêts des grandes classes. Oui, c'est vrai, bonne attente. Et c'est au fond, but! Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés pour vous servir, pour vous faire vivre ce match. Le duo Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva, et elle est pas mal cette affiche contre la Division Rivals. Et on sent que... tout le monde est impatient de voir débuter cette rencontre. Chaque match à vos côtés, c'est une nouvelle histoire à raconter, une nouvelle aventure, des nouvelles émotions, surtout devant votre talent de commentateur. Tony Kroos avec le ballon. Et ça passe. Déjà le premier but du match. Le spectacle est lancé. Ça commence fort. Le premier but pour ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Bonne intervention, la passe est interceptée.
Pelé. Ah, la bonne intervention dans les 16 mètres. Ah, le récupère est très haut grâce à ce bon pressing. Ah, il peut conclure. Et c'est au fond, goal! Bonsoir à tous, la nuit est claire et dégagée, les conditions sont optimales pour jouer au foot ce soir. Bienvenue dans ce stade magnifique. Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca, c'est donc avec la team Dada dans les oreilles que vous allez passer les prochaines minutes. Et on va suivre ensemble une rencontre de Division Rivals. Et dans le stade, tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de ce match. Quelques minutes avant le coup d'envoi, l'attention, le bruit, les odeurs, les supporters qui chantent. C'est déjà un match qui commence bien. La possession change de camp. Tammy Abraham avec le ballon. Tammy Abraham, attention! Et il fallait aller chercher ce ballon, superbe! Le ballon vers Lozano. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Un œil sur la compo de cette formation. Marcel Desailly. Je vous coupe, mais regardez! Déjà le premier but, quelques minutes de jeu, c'est bon et c'est bon. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie longue. Ballon pour Marcus Rashford. Ballon intercepté, bonne intervention. Et ça joue sur Diogo Jota. Diogo Jota dans la surface, c'est contré. Et ça joue sur Fred. Et le gardien est bien vigilant. Un 5 corner bien joué, bien frappé. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Ah là là, la mauvaise passe. Oui, bonne intervention. Ah, ce ballon dévié sort, corner à suivre. Ah, ce coup de pied arrêté et joué court. Barnes. Et maintenant Umtiti. Le tir peut-être pour égaliser. Pour la parade du gardien sur ce ballon. Oui, le long ballon. Et c'est pas fini. Le ballon n'entre pas et donc, logique, le score reste inchangé. Une énorme opportunité de se mettre chaud avec deux buts d'avance. Raté. Pelé. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Le ballon en touche. Et la frappe et but. Ce but qui leur permet de creuser l'écart et de faire le break. Avec deux longueurs d'avance, la victoire sera. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Irving Lozano reçoit la balle. Attention, l'occasion pour revenir. Ce sera donc un corner. Cafu. L'équipe locale a le contrôle du ballon. Le ballon ne quitte pas leurs pieds
et ça leur permet de construire brique par brique, passe par passe, des actions dangereuses. Le score n'est que le reflet de cette maîtrise du jeu collectif. La faute est signalée par l'arbitre, franc. Barnes. Voilà, bonne intervention dans les 16 mètres. La faute est sifflée. Logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Ah là là, ballon perdu sur cette passe mal assurée. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger à l'occasion peut-être ici. Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Au commentaire de ce rendez-vous, Benjamin Da Silva et le grand génie, le seul génie argentin, j'ai nommé Omar Da Fonseca. Et on a rendez-vous aujourd'hui avec la Division Rivals, les Raiders face aux Nutters. Et oui, on est là pour discuter, crier, applaudir, c'est ça le football. Le football, sa parole, c'est pas du football. Et on va regarder la composition de cette formation. Dans le but, c'est Mike Maignan, Alexandro avec Cafu dans les couloirs. Frank Lampard sera associé à Marquisio au milieu de terrain. Et Tammy Abraham pour occuper l'attaque avec Pelé. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Et voilà la compo des Nutters. Titulaire dans le but, Ederson. Marquinhos avec Ramos en défense centrale. Jason Park sera accompagné par Zinedine Zidane au milieu. Et pour finir, Sami Al-Jaber en point. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Superbe intervention dans la surface. L'arbitre signale le corner. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. David Ginola. On frappe contrée sans souci. Allez, la frappe, c'est bien tenté. Oui, bien fait de la part du gardien. Et le ballon intercepté dans une zone dangereuse. Et encore une tentative contrée. Et c'est dangereux ce ballon, mais ça sort en corner. Un corner qui est bien ajusté. Et la bonne intervention pour récupérer. Et voilà une tête d'affiche évidemment pour cette rencontre. On va beaucoup parler de lui, c'est John Barnes. Sa capacité à finir, à conserver toute sa lucidité, sa précision dans la surface adverse, c'est admirable. Parfois, on dirait que c'est le ballon qui le cherche et qui le trouve pour aller se reposer au fond des filets. Un face-à-face à négocier. Ah non, c'est rendu directement. Irving Lozano. John Barnes. Pelé. Oh, ça peut aller au but. Goal ! Voilà le premier but de la rencontre. Celui qui te libère et qui te donne la confiance.
Bonjour à tous, les conditions de jeu idéales sur la pelouse et même en dehors pour assister à un magnifique spectacle dans quelques secondes. C'est le coup d'envoi. Omar Da Fonseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Et on est sur cette rencontre de Division Rivals à partager ensemble. Et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime, ça s'annonce très bien. Quelques minutes avant le coup d'envoi, l'attention, le bruit, les odeurs, les supporters qui chantent. C'est déjà un match qui commence bien. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Un œil sur le 11 titulaire. Dans le but, c'est Mike Maignan. Alexandro avec Cafu dans les couloirs. Frank Lampard sera associé à Marquis au milieu de terrain. Et nous retrouverons Pelé en attaque avec Tammy Abraham. Et on va découvrir le 11 de départ. Dans le but, c'est Thibaut Courtois. Leonardo Bonucci avec Van Dijk en défense centrale. Et donc pour finir cette formation avec deux éléments offensifs. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Lozano en bonne position. Sans souci pour le gardien. Le roi Pelé, est-il nécessaire d'en parler? En tout cas, c'est évidemment la grande attraction du match. C'est leur meilleur buteur. Tous ses déplacements, toutes ses touches de balle sont inspirées par le but, par l'idée d'être décisif. Olé, belle technique là. Eh oui, bonne couverture là, on soutient. Le ballon est récupéré. Attention, la frappe. Ça joue avec Donovan. Et le gardien se saisit tranquillement du ballon à une telle distance, c'est inespéré. Pas grand chose de positif ici. Beaucoup trop de suffisance dans cette action. Ah, c'est bien parti. Et ça rentre. Voilà le premier but. Très rapidement, ce match est lancé. 1-0, donc au tableau d'affichage. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Ah, le ballon lui échappe et ça sort. Abraham, Pelé. L'action se poursuit, en bonne position. Oh, le super geste défensif. Sur le côté, c'est Moussa Diaby, il a de l'espace. Oh, l'égalisation peut-être. Et oui, c'est au fond des filets. Ce but donc leur permet de revenir dans ce match. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Et la balle change de camp. Donovan. Bien vu la passe de Donovan. Et hors jeu, l'arbitre n'a pas hésité, ça partait bien cette passe en profondeur, mais l'appel de balle est un peu précipité. La relation passeur-receveur, c'est comme un couple. Il faut qu'il y ait une harmonie, une complicité, et il faut savoir s'emboîter. Attention pour mener au score peut-être, et Courtois se détend pour éloigner le danger. Aïe, 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 c'est mal tiré, une occasion gâchée. Le côté, c'est Moussa Diaby, il peut avancer vers ses partenaires dans la surface. Et ce ballon est subtilisé in extremis. Ballon perdu par les Raiders. Ballon pour Donovan. Pour Pelé. Le ballon est maintenant récupéré. Philippe Lam. Marquisio face à l'adversaire, ça c'est pas bon du tout.
Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Philippe Lam. Et ça joue sur Abraham. Il peut frapper. Et le ballon trop poussé dans la zone dangereuse. Quelle intervention absolument décisive. Et une tête qui passe loin du but. On voit que l'équipe visiteuse a pris le match en main depuis une quinzaine de minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette domination est en train de créer du danger. C'est la bonne attitude pour réussir à prendre l'avantage. Le ballon change de camp. Ah, le ballon dangereux de Moussa Diaby. Aïe, 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 rien de positif finalement là-dessus. Beau placement entre les lignes, ballon récupéré. Ça joue avec Chiellini. Avec Claudio Marchisio maintenant. Cafu. Et voilà un ballon perdu trop facilement sur cette passe. Pelé. Et ici l'occasion pour mener. Et le but tellement évident. Le gardien a déserté. Et c'est facile de marquer. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et encore une fois, pour arriver à une telle fluidité dans la conclusion, pour contourner le gardien comme ça, il faut une grande maîtrise technique. Et voilà l'arbitre. Coup d'envoi de la seconde période, les Raiders ont pris l'avantage au tableau d'affichage. La bonne percée, il faut aller provoquer. Abraham et Maignan qui va aller chercher ce ballon. Ah, il bien frappé ce corner. Et le pressing porte ses fruits avec cette récupération haute. Landon Donovan. Et une bonne contre-attaque peut-être. Et le tir. Tout était bien fait sur ce déboulé en attaque. Dommage. Et la précipitation pour ce dernier geste. Et ça joue sur Abraham. Oui, c'est bien.